Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, François. Go, Faucon, go. Oui. Écoute, il fallait que je le dise, Alex. Félicitations. Écoute, merci beaucoup, mais surtout félicitations à l'équipe de ma fille, ben oui, de moi que je coach. Vous avez remporté les grands honneurs. Dans le exactement. Et on voit des photos présentement. Écoute, le début de saison augurait pas le fait que je te dise que nous serions champions des séries éliminatoires. T'es-tu surpris ou? Pas surpris parce que, je vais être honnête avec toi, là, depuis le mois de décembre ou janvier, on est 14 victoires, une défaite. Alors, okay. Tu sais, sérieusement, mais au début, par exemple... J'imagine que c'est à cause de l'entraîneur, ça. Non, mais je peux te dire qu'on... Non, mais les pratiques sont là. Hein? On travaille bien. Et on 7 et 8 ans. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu vas faire l'émission toute seule. Ouais. Parce que je dois quitter. Alors, je fais l'introduction. Les joueurs de la télé vont faire qu'on va faire la conclusion également ensemble. Bien, je dois partir parce que... Pour être poli, tu viens collecter ton chèque, c'est ouais, ça? Oui, c'est ça. Tu as tout compris. Alors, si je veux collecter, je dois au moins faire apparition à la télé. Mais je dois m'en aller à Marieville. Ouais. Les régionaux ne sont pas là cette année. Ils sont à Saint-Rémy. Et là, vous jouez à Marieville ce soir contre Saint-Rémy, ouais, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc, on va essayer de pas mélanger les tes parents, surtout. Les parents sont tout mêlés. Ouais. Alors, voilà. Donc, j'ai deux tournois cette semaine. Mon vrai tournoi de Marieville et les régionaux. Donc, merci à toute l'équipe de Sport Express qui m'accommode parce que vous savez que... Écoute, habituellement, c'est toi qui nous accommode. Oui, c'est ça. J'arrive les toujours gros clins d'œil, hein, les boys. J'arrive toujours en retard. Alors, quoi qu'il en soit, ça va ressembler à ça. François, belle émission. Oui. Cette semaine, à la limite, je suis jaloux parce que tu parles de surf et d'un très, très bel endroit. Oui, écoute, ça fait longtemps qu'on l'attend à l'émission. C'est Claude Coudry, c'est le propriétaire de Oasis Surf situé au quartier 10-30. Il y a beaucoup de monde de Saint-Jean qui vont, hein, qui vont faire du surf au quartier 10-30. Il y a une grosse compétition internationale qui s'en vient, la seule compétition internationale intérieure en plus qui va avoir lieu du côté de Oasis Surf. Donc, on va parler avec Claude, la petite histoire, comment ça a commencé, ça. Puis, il y a peut-être des projets d'expansion aussi dans l'air, on va en jaser également. Donc, belle émission qui va peut-être nous faire penser au printemps qui est supposé être arrivé, Alex. Et lui, il reçoit des gros noms qui viennent faire des démonstrations. Des démonstrations. Il y a un gars de la Californie, là, un ancien champion du monde qui vient. Il y a des gars de partout à travers le monde. Il y a des bons ambassadeurs, dont Seb Tout, Sébastien Toutant, voilà, qui est un snowboarder bien connu. Donc, voilà, Alex, bonne émission en perspective. Voilà, donc on s'arrête 5 secondes et au retour, François parle Oasis Surf pour au moins une bonne vingtaine de minutes. Manquez pas ça. On vous en a parlé en introduction, on est bien content de l'avoir à l'émission. C'est le propriétaire de Oasis Surf au quartier 10-30, mon ami Claude Coudry qui est avec nous. Salut Claude. Salut. Écoute, ça fait longtemps que je te veux à l'émission. Enfin, tu viens faire ton tour à Saint-Jean. Oui, j'ai pris mon temps. Ouais. Claude, parle-nous un petit peu de l'historique de Oasis Surf. Les gens passent au quartier 10-30, on le voit, les gens qui sont pas allés. Comment te mijoter cette idée-là d'ouvrir un centre de surf intérieur au quartier 10-30? Question qu'on me pose souvent, effectivement. L'idée, en fait, c'est d'amener quelque chose que les Québécois vont chercher ailleurs, quelque chose d'inaccessible ici, jusqu'à temps que le réchauffement climatique nous amène des belles plages au Québec. On a du luxe. Fait que l'idée, en fait, c'est ça, c'est j'ai voyagé pas mal, j'ai vu beaucoup ce qui se passait un peu sur la plage, ce que le Québécois va chercher ailleurs. Puis je me dis, crime, ce serait tellement le fun de pouvoir mettre ça au Québec, dans un petit environnement contrôlé, évidemment, parce que, bon, l'hiver, c'est pas l'idéal pour avoir l'ambiance sous les palmiers. Donc, appelle un ingénieur ou deux, regarde un peu comment ça peut fonctionner, un restaurant à bord avec une piscine pour l'ambiance. Puis, ben, j'ai vu par la suite que des piscines de surf se faisaient. Plusieurs technologies. Ouais. On en a trouvé une qui utilisait ces planches-là comme j'ai amené aujourd'hui. Donc vraiment quelque chose de plus authentique qui donnait là, aux surfeurs. Il faut dire quand même que 7% des gens au Québec entre 16 et 35 ans qui surfent sur une base régulière, là, je ne sais pas une fois semaine. Quand même, mais, là. Quand même surprenant, oui. Ça, c'est l'étude de marché qu'on a eue qui était assez surprenante. Puis par la suite, c'est ça. 87% des gens disaient « Moi, je veux aller dans une place comme ça, surtout si ça ne coûte pas 2 000 $ avec les billets d'avion et tout. » Donc, super intéressant. Donc, par la suite, c'est ça, c'était ingénieur, aller voir comment on peut mettre un resto bar avec le surf et un petit shop, un peu ce qui se retrouve là, sur le bord de la beach, n'importe où, là, Californie, Hawaï et tout. Là. Mais on ne se le cachera pas, c'est un projet que tu as mijoté longtemps. Parce que moi, je me rappelle, ça fait un petit bout qu'on se connaît, ça fait quelques années que Oasis Surf, ça s'en vient. Moi, j'en parlais à des journalistes, ça s'en vient le projet, ça s'en vient. C'était long, c'était long. Qu'est-ce qui a fait que ça a été, le processus a été quand même long? Je l'ai mijoté longtemps, oui. Je pense que les banques l'ont mijoté plus longtemps que moi. La recherche de financement a été la chose la plus difficile. Mais bon, faites mes devoirs, puis j'ai fini par convaincre... la Banque Royale, pour la nommer, là, à nous aimer. Elle mérite bien ça. Oui, oui, exact. Puis la BDC aussi là, qui nous a aidés, qu'on connaît bien. À quoi les gens, quand on va rentrer pour la première fois chez Oasis Surf, à quoi on doit s'attendre?
À une belle surprise, je pense. Je sais que les gens pensent qu'ils s'en viennent dans une piscine, donc ça va sentir le chlore. Au contraire, tu es venu chez nous, tu l'as vu. Exact. On a un beau petit parfum qui se promène dans l'air. On a un produit spécial dans la piscine, donc pas de chlore, c'est vraiment inodore. Donc, ouais, une belle petite température, 78-80. On enlève notre manteau, on se sent vraiment bien, prêt à prendre un petit daiquiri ou une bière bien froide. Puis si on s'en va au surf, bien sûr, ben là, c'est de se mettre en maillot et se mouiller. Ouais. Là, je vais te poser la question, là, puis tu te l'as fait tout le temps poser, mais c'est important que tu l'expliques. Il y avait un centre de surf à Laval, il y en a toujours un qui s'appelle Maeva Surf. Ouais. Tu disais tantôt, bien, il n'y en avait pas. C'est quoi la différence? Voilà, merci de le poser. Maeva Surf, c'est nos amis. Vous n'êtes pas en compétition. Super cool. Je pense que, comment l'expliquer, c'est juste deux expériences totalement différentes. Le flowboard, c'est ce qu'ils pratiquent, qu'ils appellent surf intérieur. C'est correct, c'était comme ça avant que notre technologie arrive. Okay. Ça fait au-dessus de 25 ans que cette technologie-là existe, qui s'appelle le flowrider. C'est une mince toile avec un filet d'eau. Donc, on a des plus petites planches, puis on va flotter sur l'eau qui va vraiment rapidement. Je dirais que nous, notre différence, c'est qu'on a une vague réelle d'eau, donc de deux pieds ajustable jusqu'à six pieds d'eau. Donc, on peut vraiment challenger nos surfeurs jusqu'à plus loin. Puis, à l'inverse, nous, on a un restaurant, ce qu'ils n'ont pas. Donc, c'est vraiment les grosses différences, je dirais. Le resto-bar, technologie de surf qui permet l'usage de vraies planches de surf avec aileron. C'est ce qui différencie Oasis Surf, puis qui fait qu'on dit que, bon, c'est la seule expérience de vrai surf là, au Canada. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent à la maison, des petites familles. « Ah, mon Dieu, ça m'intéresserait faire ça en famille, mais est-ce que les enfants peuvent pratiquer le surf? » Oui, ben oui. J'ai un ami, d'ailleurs, avec qui j'ai fait surfer sa petite fille de 4 ans avant-hier. À partir de 4 ans, c'est vraiment ça. C'était sa fête de 4 ans, donc on a eu... Ben, en fait, il voulait vraiment le faire, puis on attendait un peu. Puis ça a super bien été, là, surfer avec moi sur la planche. On fait ça vraiment avec tout le monde. Donc, à partir de 4 ans jusqu'à... le record à battre, c'est Michel Richard à 70 ans pour c'est sa fête. C'est vrai, t'as eu Michel Richard. Le party de fête. Parle-nous-en rapidement. Là. T'as eu le party de fête de Michel Richard. Oui, exact. Bon, on connaît Michel Richard, donc pour ne pas dire... le mot est un peu spécial. Elle l'a dit elle-même. Donc, elle est arrivée. Oui, exact. Elle est arrivée chez nous. Elle me dit, bon, écoute, tu sais, je suis une folle. Je l'ai dit. Puis, elle me dit, je veux faire ma fête ici, puis je veux surfer. Je dis, ben, parfait. Je dis, moi, j'ai pas de problème. J'y crois. Honnêtement, je suis convaincu que ça va fonctionner. Puis, ben, écoute, elle a invité 70 de ses invités pour sa fête de 70 ans. Et elle a surfé. Ça nous a donné la première page de Journal de Montréal. Oui, non, ça a été une belle page. Vraiment cool, oui. Puis, parle-moi de la clientèle en général. Est-ce qu'on retrouve vraiment là, de tous les âges, des plus petits, des plus grands, des familles, des groupes de boys? Est-ce qu'on peut louer la vague pour aller s'amuser entre amis? Oui, absolument. Un party de fête, par exemple, comment ça fonctionne? On fait super, super belle question. On a plein, tu sais, c'est un peu comme la plage, je le dis, là. À la plage, c'est pas mal la seule place où on peut se retrouver à côté d'un couple de vieilles personnes. On a la petite famille là, puis on a la gang de qui est là, tu as l'autre gang qui fête son bachelor, bien, c'est vraiment tout ça qu'on offre, de la fête d'enfants au bachelor party, on a des forfaits pour ça, on a des fêtes de 40 ans, on a des fêtes de 30 ans. Je dirais que le marché moyen, c'est 25-45, vraiment. C'est vraiment les parents qui amènent leurs enfants, c'est ça qui est drôle à voir, mais vraiment cool comme environnement. Puis c'est ça, les gens aiment bien juste surfer, soit en gang ou en couple. On est d'ailleurs une des top 5 destinations Tinder. Donc, ah oui! Belle place pour amener une date. Puis quand, ce qui est intéressant aussi, je suis allé, comme tu dis, les gens peuvent, moi le surf, pas moi, mais quelqu'un dit « Ah, moi ça m'intéresse pas le surf, mais je peux quand même aller manger un bon repas puis regarder les autres surfer. » Oui, exactement. Donc, c'est comme une espèce de souper-spectacle, si on veut. Définitivement. c'est exactement ça, tu sais. C'est même chose pour la plage, on a beaucoup plus de monde dans les restos, sur les terrasses que dans l'eau. On a compris ça, on a 200 places autour de la vague, donc les gens viennent prendre un verre, manger, on a un chef sur place. Ouais. Puis vraiment une belle expérience là, pour tout le monde qui veut goûter un menu qui vient d'ailleurs. Je dis, c'était ma prochaine question. Fais-nous saliver un peu, parle-nous un petit peu du menu. Ben, c'est ce qu'on vit quand on voyage, en fait. Donc, des lobster rolls du Maine, on va aller à des poke bowls de Hawaï, une nouvelle tendance qui est super bon avec poisson cru, donc du thon, saumon. On a tataki thon aussi, on a des tartares, on a des fish tacos. On a aussi pour les classiques, on a des burgers, on a des poutines, évidemment, à la joue de bœuf qui est géniale. Donc, un peu vraiment, un peu tout, mais on fait voyager la personne le plus authentiquement possible. Donc, notre salsa, c'est faite maison, nos chips sont faites maison. C'est pas des choses préparées en usine. Je pense qu'au niveau des cocktails aussi, on se le cachera pas, vous êtes capable de vous diversifier aussi pour retrouver ce qu'on va avoir sur le bord de la mer. Absolument. Pour la dame qui est allée là, à Cuba d'un tout inclus, on a son bon petit daiquiri. Aussi, à l'inverse, on a bon les Mai Tai typiques d'Ottawa,
Le Hawaï. OK, je vais dire du surf là-bas. Peut-être. Ouais, peut-être un jour. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais bref, oui, Mai Tai, très tiki de Hawaï. Puis tout plein, là, à côté des mojitos, name it. Là, on a même des bières Dos Equis seules qui inspirent un peu plus du sud, là. Donc, ouais, c'est possible d'y goûter. Agréable de travailler dans un environnement comme ça, toi, tous les jours? Ouais, non, rentrer sous Bob Marley, Jack Johnson, qui joue dans les haut-parleurs, puis ouais, belle ambiance, c'est sûr. Ça fait du bien au Québec quand l'hiver finit pas comme en ce moment, là. Ouais. Au niveau de la clientèle, t'as-tu un pourcentage? Les gens qui rentrent chez vous qui ont jamais essayé le surf, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Ah, on est, ouais, clairement, on est vraiment une usine à fabriquer des surfers. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a vu au début, beaucoup de gens venaient, savaient pas surfer, puis bon, c'est sûr, plus que ça va, c'est des gens qui reviennent. Donc, on a vraiment un repeat business à ce niveau-là. Mais non, encore aujourd'hui, on crée des nouveaux surfeurs là, chaque semaine. Puis c'est vraiment... C'est le fun. C'est super facile d'approche. On n'a pas besoin d'avoir des skills incroyables. Là. C'est vraiment... On arrive, on part debout. Donc, on invite tout ce qui est dur dans l'océan. Là. On contrôle l'environnement. La vague est là. C'est pas stressant. Ça va pas vite non plus. On a les moniteurs toujours sur place qui nous sont aident. Ces moniteurs-là? Est-ce que c'est tous des professionnels de surf? Ou... Majoritairement, oui. Ouais. On a vraiment trois grosses catégories de moniteurs, là, je dirais. Là, on est les surfeurs d'océan. Des gens qui vont voyager, qui ont fait des trips à Bali, en Australie, au Mexique, peu importe. On a les wake surfers, donc à l'heure du bateau. Ouais. Puis aussi les surfeurs de rivière, puisqu'on a une installation à la rivière ici, là, sur le Saint-Laurent. Donc, vraiment, ces trois genres de personnes-là. Puis, ben, on est tellement choyés, étant la seule destination offrant ça, on a beaucoup de CV de gens qui surfent. Ouais. Puis, donc, ils sont tous qualifiés, là, plus que pas assez pour montrer aux gens comment surfer. Là. On va en parler tantôt en deuxième partie. Il y a une grosse compétition qui s'en vient. Mais j'imagine que vous êtes aussi un petit peu peut-être un centre d'entraînement pour les surfeurs qui veulent s'entraîner à, quand l'été s'en vient ou qui vont s'en aller un petit peu à travers le monde. Parce qu'on le sait, il y a des bons Québécois qui font du surf. Est-ce qu'ils vont s'entraîner chez vous? Oui, absolument. Bien, c'est vraiment, je pense qu'on est la plaque tournante du surf. C'est sûr, là, autant pour les brands que les surfeurs. On va vraiment... on voit tout... Toutes les gens, les gens vont aller en Australie sur un voyage de trois mois, ils vont venir se réchauffer un peu chez nous, pratiquer leur mouvement là, d'océan, parce que bon, on peut récréer vraiment la vague qu'ils veulent. C'est un centre d'entraînement. Exact. C'est un beau tapis roulant là, pour surfer. Claude, je te garde avec moi, puis deuxième partie d'émission, on va parler de cette immense compétition qui s'en vient, la deuxième édition déjà au Was It Surf. Ouais. Je pense que ça va être à ne pas manquer. On est prêts. Sport Express suit à l'instant. Restez là. Vous êtes de retour à Sport Express avec notre invité Claude Coudrier de Oasis Surf. Claude, tu nous as apporté une planche. Explique-nous un petit peu là, les différentes parties de cette planche-là. Oui, absolument. Bien, en fait, je vais l'introduire. Pourquoi est-ce que c'est... comment ça fonctionne? Présente-nous ta planche. Exact. On voit souvent, pour ceux qui ont essayé de surfer dans l'océan, des longues planches de 10 pieds. L'avantage qu'on a, évidemment, c'est qu'on n'a pas besoin de se lever au Oasis Surf. C'est déjà... on embarque debout sur la planche. Okay. Donc, on s'assure que les gens ont une belle photo Facebook, Instagram, dès le départ. On n'est pas en train de paddler avec... avec le moniteur à côté, par exemple? Exact. Mais en fait, oui, c'est ça. C'est, on se tient les mains, ça va super. Bien, belle dynamique. Donc, vraiment, ce qui se répète, les mêmes éléments qu'une planche de surf normale, là, composition de fibres de verre avec époxy. On a les ailerons, qu'on peut en mettre trois ou une, dépendant de ce que les gens préfèrent. Puis, c'est quoi la différence que tu en as un ou trois? Qu'est-ce que ça c'est style de surf. À trois, c'est vraiment, ça mord plus, je dirais, qu'à une. Ça pardonne plus à une. Donc, on commence vraiment avec une. Les gens qui veulent plus de power vont en mettre trois habituellement. Donc, c'est vraiment ça que ça permet. Puis, on a une petite bande là, autour pour pardonner un peu les tibias des gens qui tombent ou tout. Là, à l'océan, les gens mettent pas, puis ça peut faire saigner du nez. Donc, c'est bien. Non, super sécuritaire aussi. Point de vue équipement, on a aussi des casques pour les jeunes. C'est ce que je m'en ai demandé. Quelqu'un qui veut s'initier au surf, qui n'a pas d'équipement,
qu'est-ce que ça comprend, l'initiation? Est-ce que vous vous prêtez? Tout est inclus, exact. Okay. C'est vraiment, ça prend un maillot de bain et une serviette. On demande aux gens de porter un T-shirt. Sinon, vous avez une magnifique boutique pour en acheter. En plus, beau clin d'œil à ce sujet. Oui, une superbe boutique. Ouais. On a toutes les belles marques de surf. Donc voilà, ouais, c'est ça. Les gens viennent, puis... Le casque est obligatoire. Ouais, exact. Ben, il est fortement suggéré, en fait, là, parce que, bon, c'est plus simple comme ça pour tout le monde. Les parents aiment bien quand les jeunes portent le casque. Puis, ben, pour une première fois, je pense qu'on évite beaucoup de dommages à ce niveau-là. Donc voilà, pour l'équipement, c'est pas mal aussi simple que ça. Combien ça vaut une planche comme ça? Ça vaut très cher. Ouais, OK. Non, en fait, elle est faite vraiment pour l'achalandage qu'on a. Je dirais une planche de surf d'océan un client régulier, c'est entre 600 et 1200 $. Vraiment un peu on parle de paire de ski, là. C'est... Exactement, comme un snowboard comme des paires de ski. C'est vraiment fait avec beaucoup d'amour. Surtout les surfs d'océan, c'est souvent fait à la main. Nous, même chose, on fait tout à la main. Okay. Puis renforcé, c'est pour ça qu'il est bien. Avec notre volume de gens, ça prend l'équipement plus solide. Puis c'est vraiment... quelque chose qui est bien fait. Là, est-ce que c'est fait à Hawaï? Est-ce que c'est fait dans les pays chauds où on pratique le surf ou on peut s'en procurer au Québec? Non, ben oui, on en a. C'est nous qui les ont, mais sont fabriqués par un des plus grands shapers de surf, qui est Rusty, pour le nommer. Là, mais ouais, exact, c'est une des compagnies avec qui on a travaillé puis développé notre modèle parce que, bon, nos besoins, mais c'est vraiment la même shape, toutes les mêmes specs qu'une planche d'océan, simplement un peu plus courte étant donné qu'on n'a pas besoin de se lever, mais quelqu'un qui aurait son surf à la maison pourrait l'amener pour le c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut apporter son surf ou il faut absolument prendre l'équipement que vous avez? Nous, ça ne nous dérange pas. Okay. On conseille parce qu'elle est optimale pour notre vague. C'est un peu ça. Okay. Dans l'océan, on donne des plus grandes planches pour pardonner si c'est des vagues moins belles ou quoi que ce soit. Okay. Mais non, c'est sûr, si quelqu'un veut l'essayer, bon, à ses risques de la surfer, là. Mais non, elle pourrait, oui. OK. Claude, on a parlé en première partie. Grosse compétition de surf qui s'en vient. Ouais. La seule compétition de surf intérieure au Canada, en plus. Exact. C'est le 14 avril, c'est ça? Exactement. Donne-nous les détails. Le 14 avril. C'est la deuxième fois qu'on l'a fait. Ça a été un succès immense l'année passée. On en a parlé au travers de la planète, de cette nouvelle tendance des piscines et tout. On a eu des surfeurs qui sont venus de Californie, d'Hawaï, de Floride pour la surfer, cette vague. Ça, comment ça fonctionne? Vous les invitez, ils acceptent l'invitation, ils viennent? Oui, bien, en partie. Il y a vraiment une belle effervescence là, dès la première. Puis, même chose pour cette année, les inscriptions vont de bon train. Là, on a commencé il y a 3 jours, puis... vraiment, vraiment, c'est vraiment le fun à voir que les gens sont aussi contents. L'engouement est là. Oui, exactement. Parle-nous de l'événement. Donc, il y a plusieurs catégories. La première, 17 ans et moins. Donc, on permet aux plus jeunes de commencer. Ça se fait le matin. On a ensuite le Women Open, donc pour les femmes. Okay. Une belle petite compétition féminine de ce côté-là. C'est super le fun aussi. Par la suite, on a 18 ans et plus. Donc, 18 ans et plus, plus débutants intermédiaires. Okay. On a le Open qui est sur la vague de 2 pieds encore une fois. Toutes les catégories que j'ai nommées, c'est sur la vague de 2 pieds. Puis, donc là, c'est un peu plus challengeant. Ouais. Par la suite, on installe notre vague de 5 pieds. En fin de soirée, puis, En fait, ça commence en soirée. Puis, on a fait l'événement pour que ce soit pour les spectateurs aussi. Donc, on va avoir un band live en après-midi et en soirée. Par la suite, bon, on installe la grosse vague qui est de 5 pieds, gauche, droite. Ça va être super impressionnant, ça. Quelqu'un qui a jamais vu ça, le fun. Moi, je ne l'ai jamais vu personnellement. Oui, exact. C'est le fun parce qu'on met aussi à l'écran à l'arrière le live feed. Donc, on voit ce qui se passe vraiment plus de près. Si on est un peu plus loin de la vague, on va avoir des estrades aussi cette année. Donc, vraiment, faites pour les spectateurs. On a des sponsors, des commanditaires qui viennent s'installer, qui donnent des petits cadeaux aux gens. Non, c'est vraiment une belle journée. Ça se finit avec un spectacle et un DJ signé Red Bull. Donc, un after party assuré pour ça. Claude, qu'est-ce que les surfeurs professionnels, tu dis qu'il y en a qui viennent de partout pour venir chez vous. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils te disent de ton centre de surf? Est-ce qu'ils sont impressionnés? Est-ce qu'ils ont déjà vu ça ailleurs dans le monde? Pas encore. On est vraiment dans les premiers à avoir cette technologie-là. Ce qu'ils aiment vraiment, c'est qu'il y a un modèle d'affaires autour, donc c'est possible. On a un peu démontré que c'est possible de la faire et de la rentabiliser, cette technologie-là. Donc, ils voient le potentiel d'amener le surf dans les terres. C'est un peu ça le mandat d'American Wave Machine, les concepteurs de cette technologie-là. Mais encore là, on voit même le potentiel de l'amener à des surf spots parce que des fois, il n'y en a pas de vagues. Non, c'est ça. On a Jamie O'Brien qui est venu, un athlète Red Bull, puis il l'a dit. Il a dit, si j'avais ça chez nous, moi, je m'entraînerais là-dedans parce que c'est constant, puis tu n'as pas besoin d'attendre ta vague pendant 20 minutes, elle est tout le temps là. Donc, ils ont bien aimé, en fait, écoute, c'était beau à voir là, quand on les a fait surfer chez nous. Là.
vraiment un beau spectacle. J'ai vu qu'il va y avoir des noms connus également, des ambassadeurs peut-être. Sébastien Toutant va être oui, là, qui est oui, un ben... champion extrême de planche. Ouais, exact. Phil Branch de Énergie également. Ouais, Joey Scarpellino, un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le beau Joey va être eux là aussi. Ils vont être là parce que c'est tes amis, dans le fond. Oui, ouais, entre autres, c'est le surf nous a peut-être un peu plus liés ensemble. Mais ouais, des amis à la base, c'est ça. Puis non, exact, ils vont venir faire un tour. Puis on a même une petite vague là, de célébrités qu'on va okay. faire avec nos ambassadeurs puis ces gens comme ça, que ça va être vraiment, vraiment le fun à voir. Claude, explique-nous si des gens regardent l'émission puis se disent « Ah, ben écoute, ça serait peut-être une belle sortie pour les gens du bureau, du team mm-hmm. building, du on pourrait se faire une conférence, vous avez des salles aussi, vous allez passer une journée. » Oui, exact. Surf. C'est super, super flexible comment on peut ajuster notre place. Des team building, exactement, on en ouais. fait dans la vague, on en fait même sans la vague nécessairement. Okay. Des sales meetings, on fait… Je ne sais pas comment dire en français. Désolé. Des réunions de vente. Des réunions de vente. Oui, on a une salle privée qui va jusqu'à 80 personnes. Okay. Donc, vraiment, les groupes de 15 à 80 pour la salle privée. Par la suite, on peut aller avec des corporatifs, soit des événements, récompenses. On a eu, exemple, Vidéotron okay. Qui est venu faire une belle activité. Il était 150 personnes. Ça tombe bien, on est Vidéotron, nous, ici. C'est pour ça que j'ai fait ça. Puis, non, exact, on a plein d'événements corporatifs autant que des événements là, pour les gens d'affaires. Oui, exact. Il y a aussi pour les tout-petits. Hein, on est habitués. Hein, il y a des camps de jour, il y a des camps de golf, il y a des camps de natation. Il y a des camps de surf aussi. Maintenant, il y a le camp de surf, exactement, qui s'offre vraiment à tous les enfants. Et les jeunes et moins jeunes, on va jusqu'à ouais. 15 ans, justement. Donc, il y a de 6 à 15 ans. On peut s'inscrire tout au long de l'été. On a fait la semaine de relâche. D'ailleurs, ça a super bien été. Ouais. Les enfants ont adoré. C'est une semaine complète? Ou? C'est à la, ouais, exactement. Okay. C'est à la semaine. On surfe chaque jour, deux fois par jour, wow. en plus d'une activité. Donc, on va faire du skateboard, on fait du laser tag, on va au cinéma, okay. un petit rallye dans le 10-30. On a aussi un zoo qui va venir montrer okay. les animaux exotiques. Donc, vraiment une belle expérience wow. pour les enfants. Là. En fait, tellement que ceux qu'on a eus dans l'année précédente reviennent. Puis, vraiment le fun. Claude, il reste une minute. Tu oui. as eu la gentillesse de nous apporter un certificat cadeau Surf and Turf pour deux personnes, oui. valide du lundi au jeudi, qu'on va faire tirer sur la page Facebook de Sport Express, qui est suivie par plus de 1000 personnes. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est le Surf and Turf. Bien, en fait, c'est une initiation au surf. Puis, bien, pour en discuter par la suite, bien, on s'en va au restaurant. Moi, j'ai un petit repas table d'hôte. Donc, voilà l'expérience complète un peu là, de bord de mer. Donc, on invite les gens à se présenter sur la page Facebook de Sport Express. Vous allez avoir tout ce que vous avez à faire. Là, je pense que ça va être de liker le post, puis au moins d'aller aimer la page de Oasis Surf, puis on va choisir un gagnant. Donc, Claude, écoute, merci beaucoup d'être passé en studio. C'est super ça. Apprécié. Puis, on espère avoir donné le goût aux gens du Haut-Richelieu qui n'ont jamais surfé. Allez vous visiter au quartier des Estrandes. Puis pour ceux qui sont déjà allés, bien, on vous invite à y retourner. Écoute, un produit extraordinaire. Moi, j'ai encore mal aux genoux, j'en ai jamais fait, mais j'aime y aller prendre un verre et regarder les surfeurs. Super. Puis on invite les gens à aller faire leur tour. Merci, Claude. Merci, Frank. 1 minute, François, ça faisait longtemps qu'on entendait parler de cette commandite. Ouais. Richard nous cassait la tête avec ça parce qu'il se disait, on voit Farnham ouais, sur la voiture. Pendant tout le show. De exactement. Ce serait peut-être le fun d'avoir des consommations. Ouais. C'est fait, elles sont arrivées. Elle est bonne, hein? Je sens ton haleine. Puis écoute, je sens qu'elle est très bonne. Exactement. Habituellement, c'est la menthe. Ouais. Et là, c'est une haleine de Hefeweizen. Alors, écoute, c'est une blanche de blé. On a une belle variété. C'est-tu correct, Stéphane? On a une belle variété, Alex. Hefeweizen. C'est ouais. excellent. Alors, ici, on a une Pilsner. Voilà, une Pilsner. Une American et une Bitter. Ouais. Alors, voilà. Mais moi, j'aime bien la Hefeweizen. C'est excellent. Alors, ça au Scrabble, c'est très, très fort. Hein? H-E-F, un W, là-dedans, il y a un Z. Oui. Alors, c'est écoute, très, très bon. Merci à Farnham, puis c'est nous et nos invités qui allons être voilà. gâtés pendant exactement. La dernière partie Sport Express. Voilà. Mais peut-être pas juste nous, d'après moi, la technique aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelques sortes de bières qui ont pris, une débarque ouais. ici, mon cher. Parle-moi un peu du baseball senior amical. Oui, c'est la période d'inscription pour la LBSAHR. Ils étaient venus en studio au Marc-André Brault. C'est 18 ouais. ans et plus. C'est seulement 220 $, Alexandre, pour toute la saison. Donc, les inscriptions commencent. On vous invite à leur écrire au lbsahr@commercialhotmail.com pour avoir tous les détails pour pouvoir s'inscrire pour la saison de cette année. Tu nous parles un peu du football scolaire aussi? Oui, les Titans et les Cerbères de Joséphine Dandurand et d'Armand Rascot, notre ami William Julien, bien voilà. sûr, qui est également pour les Pirates. Merci encore pour le scoop
de la semaine passée, William, ça a fait jaser beaucoup. Ben oui, exactement. Les Champions d'Ottawa, Alexandre. Moi, je pense que c'est important d'en parler. C'est quelque chose de gros. C'est les champions dans la Ligue Can-Am. On est content. On a eu le scoop même avant leur page Facebook. Voilà, exactement. Donc, bien content de les avoir. Alors, les pratiques extérieures pour les catégories cadets et juvéniles débuteront le 10 avril de 16h à 18h. Tout ça au stade Alphonse Desjardins. Si les gens veulent plus de détails, on s'adresse directement à William Julien. Hein? Il va être très bien placé pour répondre à vos questions. Tu tournes ta page, tu as d'autres choses? Non, on va y aller, non, on va y aller avec le NASCAR. Parfait. Ouais. Donc, dimanche dernier, était malheureusement présenté le Autoclub 400, le super Autoclub Speedway à Fontana, en Californie. Oui, parfait. Hein? Donc, en plus de s'être mérité la pole position et de remporter la première étape de l'épreuve, Kyle Busch est sorti grand vainqueur. C'est Kyle Larson. Ben oui, Kyle Larson. C'est quoi déjà la bière que tu prends présentement? Donc, c'est une Effenweisen. C'est excellent. Donc, voilà. Combien de pourcents déjà? 5,2, ouais, c'est quand même pas si mal. Donc, c'est Kyle Larson, la marque de bateau, qui a remporté et qui est sorti grand vainqueur de l'Autoclub 400 dimanche dernier. À cela, mon cher, s'ajoute une victoire en série Xfinity la veille, ce qui lui a permis de couronner un week-end parfait, hein? Parfait sur le saut soleil de la Californie. En passant, est-ce qu'il y avait des courses de camions? Le saut soleil! Il n'y avait pas de camion, parce que j'étais pour dire, est-ce qu'il a remporté le camion également? Parce que tu as dit que c'était parfait, alors il faut que ce soit parfait. Le saut soleil de la bière blonde Farham. Et voilà, donc Brad Keselowski, Clint Bowyer, Martin Truex Jr. et Joe Logano ont respectivement complété le top 5. Et c'est Martin Truex Jr. qui a remporté la deuxième étape de l'épreuve, troisième en cinq courses. Donc, le classement des pilotes après cinq courses, je sais que vous êtes devant vos téléviseurs, c'est important de savoir. Oui. Alors, Kyle Larson est premier de bateau, deuxième Chase Elliott, Martin Truex Jr. est troisième, Brad Keselowski est quatrième et Joe Logano est cinquième. Prochaine course, dimanche le 2 avril à 14h, c'est le STP 100. Bon, finalement, un autre commanditaire qui a rapport avec l'automobile. Enfin! Enfin! Donc, c'est le STP 500 en direct du Martinsville Speedway à Martinsville, en Virginie. C'est excellent. Honnêtement, ça a paru dans ta description de NASCAR. C'est pas, de la bière américaine. C'est de la Farnham, typiquement québécois, by the way. On aime. Et c'est Effenweisen White German Wheat. C'est excellent. Santé. Merci, merci, François. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Cheers! Bye-bye.